Eivor. Ça a été dur, on dirait. Eivor. Bonjour, Eivor. J'ai besoin de silence pour entendre les chants de la nature. Amuram. Amuram. Svala. Elle offre des louanges et elle est accueillie. Pour votre oui, je tends l'oreille, ô ancien. Grand Odin, grande Freya, je vous remercie de votre don de Seidre. Elle rend grâce et elle est bénie. Eivor, cela faisait un moment. Qu'est-ce qui t'amène auprès de moi ? J'aimerais un conseil à propos d'une affaire privée. Ta mère. Elle a les idées embrumées. Elle parle aux esprits. Je crains qu'elle n'en ait plus pour longtemps. Mais je suis là pour elle. Maintenant, passons à ton affaire. J'ai eu une vision. Très puissante. C'était peut-être la rage du combat ou un délire dû à la morsure du froid, mais... Décris-moi cette vision. Après 17 ans, j'ai retrouvé la hache de mon père. Et lorsque je l'ai touchée, la vision m'a envahi. Il y avait un loup, féroce, qui hurlait. Et soudain, une silhouette, une barbe grise sous une cape et un œil unique... Il m'a dit de le suivre. Ah, le Très-Haut. Il t'appelle. Peut-être a-t-il l'intention de te parler, de te livrer un message. Seul le Seidre permettra d'y voir plus clair et de démêler les fils qui entravent ton esprit. Ce ne sera pas long. Qu'est-ce que tu prépares ? Un élixir afin de détendre ton ougre et de dérouler tes pensées. Tu entreras dans un sommeil éveillé et rejoindras le monde des rêves. Cela risque de te désorienter. Mais tu dois garder en tête tout ce que tu verras. Bois. Si tu cherches la vraie compréhension... Huh.
Je n'ai rien vu, Valka. Rien ressenti. Très sage. Très sage. Très sage. Suis-je en train de marcher parmi les morts ? Sigurd, mon frère. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mon frère, que fais-tu? Il n'y avait pas d'autre moyen, Avi. Notre sort est tracé. Sigurd! Ce n'était pas pour toi, Adi. Du calme, c'est Valka. Je suis là. Par les dieux, j'ai cru que... Qu'est-ce qui s'est passé ? Allons, raconte-moi tout. J'étais sur une montagne, par une tempête de neige. Je grimpais vers le sommet, en suivant un loup. J'ai vu Odin et les Nornir filant la trame du destin. Elles me regardaient. Mais la voie, ta vie, ton chemin, ce qui t'attend et où cela prendra fin. Le loup cherchait mon attention, comme s'il m'invitait à le suivre. Tu es l'ami des loups et tu porteras leur marque pour la vie. Cela peut représenter ton ambition ou ta peur. J'ai vu les portes de la halle des champions morts d'Odin. Elles se sont ouvertes pour moi. Les ombres du Valhalla, auxquelles tu es destiné. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mes souvenirs sont embrumés. As-tu rejoint le sommet de cette montagne ? Oui, oui. Sigurd était là-haut, blessé à l'agonie. Il lui manquait le bras avec lequel il frappe. Puis le loup a réapparu, de la taille d'un dragon, déformé et terrifiant. Il a posé son regard sur moi, et il a frappé. Puis je me suis réveillé. Les dieux te sont favorables, Eivor. Ils l'ont toujours été. Tu connaîtras la gloire, et tu auras ta place au Valhalla. Mais ces signes portent un message plus sombre. Le bras amputé,
La piste de sang, la bête. Ton destin est de trahir ton frère, Sigurd. Tel est le sens de ta vision. Non, c'est impossible. Je ne trahirai jamais Sigurd. Il est mon frère, ma famille. Les Nornir ont parlé. Et tel est leur message. Non, c'est faux. Ou tu as mal compris. Ce ne peut être vrai. Tu trahiras Sigurd. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir.